Bon, il n'est pas encore 14h là. Il est moins 10, je crois. Il y a déjà pas mal de forces de l'ordre. C'est la première fois que j'en vois autant. Et puis, avec leur armure. Bon, d'habitude, c'était. Il y avait vraiment très peu de forces de l'ordre pour les rassemblements de Philippot. Enfin, voilà, la manifestation va commencer dans, je pense, au moins une demi-heure, peut-être un petit peu plus. Voilà, je filmerai un petit peu pour vous montrer comment ça se passe et s'il y avait vraiment beaucoup de monde. Je pense qu'il y en aura beaucoup parce que ça commence déjà à arriver. Bon, là on est à 10 minutes de début et il y a déjà beaucoup de monde. Là, ça marche. Merci. Il y a quand même de jolies femmes dans les manifs. Cette manif n'a pas lieu, cette manifestation n'existe pas. Voilà. Merci. Ça, c'est un homme double sandwich en fait. Il y a les quatre côtés. Donc, double sandwich, c'est ça. Je vais bouger.
Ok, moi je descends au vélo. Après le fameux discours de Macron, là, le juillet dernier. Thank you.
savons dans quelles conditions de travail vous êtes. Nous savons que vous n'êtes pas assez nombreux. Nous demandons donc la réintégration de vos collègues suspendus pour que vous soyez plus nombreux pour traiter toutes les personnes qui en ont besoin. Ça se sent, 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 ça se sent
mais ça c'est pour ça que je sors le panneau. Parce que moi, je suis surtout un écrit. Je suis plus un écrit pour l'instant vain, hein, mais que j'espère avant la postérité qu'ils aient raison d'être. Hein, qu'ils ne soient pas vains avant. Un manifeste poétique. Parce que surtout, j'ai pas le même rythme que vous. C'est ça le problème. Moi, je suis par exemple en horaire nu. Arriver avec des manifestations que vous faites pour que les élèves clos, hein, oubliant qu'il y a les gens qui vivent la nuit, et qu'en général c'est les écrivains, donc c'est les poètes. Donc ceux qui travaillent avec la pensée. Bon, je vous fais jouir quelques instants, hein, parce que pour l'instant, on nous embête. Hein. Au minimum, on nous embête. C'est fait pour la lecture, hein. Hein, j'essaie de parler au littré, moi. Ah, voilà. J'en ai plusieurs, je pense. Oui, mais en fait, il est... Il est agaçant, hein. Oui, mais tant mieux, il est la continuité de ce qui se passe depuis 17 ans, depuis Napoléon. Et maintenant, on en arrive au bout, en fait. Et c'est le principe d'une roue, si elle est voilée, elle perd un rayon, deux rayons, et au fur et à mesure, il y a un moment, la roue peut plus tourner. Ah d'accord, c'est un...